MG, il prend une douche, c'est la première depuis le début de l'aventure. Bravo! Pourquoi tu peux pas être normal? Emma a tourné la page. Mais toi, t'es bloqué dans ta spirale égoïste. Et maintenant, tu vois des choses. Une douche avec son bonnet? Bah oui, et encore avec la combi. Il fait tout avec la combi, lui. Il ne l'enlève jamais. Comme on a perdu Pearl. Il est un peu con, celui-ci! C'est du pétrole partout. Je dois parler à Tim. Ça va, mon gars. C'est fini. Peut-être que je suis mort. Peut-être que c'est moi qui suis mort. Appeler Tim. Ok. Comme l'a dit Raoul Cruz, fondateur du Neat Trench, cassette manquante, contactez maintenance. Tim? Ouais, gamin, je suis là. Comment ça va? Tu tiens le coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Les tuyaux? Comment ça, le Dogo? On va envoyer des drones. Il y a un Dogo? Ils s'occuperont de la fuite. Mais il y avait du pétrole partout. J'ai cru voir des baleines et... Stan, je t'en prie. C'est pas terrible, je sais. Mais Neat Trench fait tout son possible. Personne ne s'attendait à ça. Écoute... Pour des raisons de sécurité, il faut pas que tu bouges. Ne quitte pas le module d'habitation. Combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je t'appelle. Compris? Ou quoi que tu mêles? Comment ça va ici? Ça va mieux. On s'est débloqué du jeu. Nous étions bloqués. Nous sommes débloqués. Que je boive un truc. Avec ou sans alcool. J'imagine que je devrais les mettre à jour. Un tas d'épaves n'y figure pas. Plus grand chose. Un drone va sûrement bientôt m'amener des provisions. Putain, j'aurais bien bu un truc avec alcool en vrai. Je pense que c'était méritaire. Ça fait du bien de se poser parfois. Réfléchir. Ma bibine! Il y avait une photo de Dogo sur le miroir. J'ai pas vu ça. Ah. Voyons s'il y a des bonnes nouvelles. Je n'en ai pas vu de pareil... Répondre à Tim. Vite! Mais je viens littéralement de lui parler, non? Soit une énorme... Bizarre. Voir combien de temps ça dure. Stan, réponds. Ouais, je suis là. Ça va bien? Non, pas spécialement. Ouais, sacré bordel là-bas. Écoute, ça sort du protocole, mais on t'envoie quelques autres plans de fabrication. Des drones te rejoignent au plus vite. Des plans? De quoi? Tu verras. Va dehors et retrouve le transporteur. Hein? Mais il vient de me dire littéralement de pas quitter cet endroit. Je capte rien.
deux semaines ici et je les ai toujours pas vidés. Où est-ce que ça va tout ça? Je ne capte rien. Mais alors, pas grand chose. Hein. Vous avez compris autre chose que moi là? Il m'appelle, enfin je l'appelle, il me dit reste ici. Un nageur intrépide découvre. Il me rappelle pour me dire finalement tu vas dehors. Ouais, ça se pourrait. C'est bizarre. Hein. Je crois que j'ai de quoi bricoler quelque chose. Je m'en fous de la déco. Ça, par contre. Et voilà. En vrai, j'ai pas besoin de plus hein, pour le moment. Un nageur intrépide découvre un chef-d'œuvre perdu. Ouais, ça se pourrait. Il change simplement vite d'avis. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi ? C'est passionnant. Passionnant, je suis passionnée. Ça m'a saoulé. Allez, bravo. Bravo. C'est super. Bon, mais on se casse alors. Si j'ai bien capté. Oh. Bon, mais en fait, l'histoire n'aura pas avancé. Hein. On va continuer de faire une quête. On va encore se bloquer. On va encore râler. On va encore s'énerver. On va encore pleurer. Et voilà. C'est ça que... C'est ça le programme, là. C'est un marqueur. Ici. Je devrais être avec Emma. Je l'ai laissé là-haut. Seul, face à... Quel idiot. Bon, tu m'affiches la minimap là, s'il te plaît, plutôt que de parler là. Ah c'est ça, c'est un accident de la route.
Bon, mais comment je fais pour l'afficher la carte là? Pourquoi est-ce que je m'en sors pas? Pourquoi? Elle est plus là, Stan. Elle est partie. Elle était en train de perdre Emma. Il a fait dure piste, j'ai l'impression, hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir la minimap maintenant? C'est possible? Bon, on va naviguer sans, c'est pas grave. Tout est chiant! Mais regardez, tout est chiant! Ils ont juste oublié de mettre la minimap! Si je vais par là, je vais dans la bonne direction? Oui, à peu près. Allez. Mais c'est moi qui doit activer quelque chose? Pas du tout. J'en ai marre de ce jeu. On dirait qu'il le fait exprès pour me faire péter un plomb. Allez, je vais me coucher, des bisous. Bon coucher. T'es trop pipou. Non, c'est toi. Non, et en plus je suis pas pipou, je suis abominable parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Je ne fais que râler. Donc non, sûrement pas pipou. C'est toi, le pipou. T'es trop pipou. Coucou Neswil, ça fait longtemps. Comment il va celui-ci? Zone de livraison, donc on n'est pas loin. Non, c'est moi le pipou. Oui, ben voilà. On n'a qu'à dire que c'est Neswil. Comme ça. Comme ça, tout le monde est content. C'est bon, j'ai les plans. Entre et utilise-les à l'établi. Module laser pour les unités de transport sous-marin et une trench. Attention. Tim? Oh, c'est pas un jour. C'est parfaitement sûr et utile surtout. Ok. Mais d'où ça vient tout ça? Neuf depuis le temps, elle est grogne. Parce que le jeu me prend le chou. Genre, je sais pas. Tout est chiant. Les contrôles. Les objectifs sont chiants. C'est compliqué de trouver les objectifs. Je sais pas. Il manque un truc pour que ce soit plaisant, fluide. Bon, mon vaisseau, il est où maintenant? Il est là. Ok, je vois. Non, je crois que tu te fourvoies et que tu vois pas. Je pense que tu vois pas, Neswil. Parce que dis-toi que c'est au moins, je sais pas, ça doit faire le 10e jeu ou peut-être même plus
que je fais en me disant je vais kiffer et que je déteste. C'est bon pour toi? Ça m'agace parce que les jeux je les paye, j'ai envie de me divertir. Et non, je passe de mauvais moments. Donc non, je pense que tu ne vois pas. Peut-être que tu t'imagines un peu, mais tu peux pas vraiment te figurer, tu vois. Voilà la vérité. Mon véhicule, tu vois même plus l'objectif de quête. Non mais... Y a rien qui va. Y a rien qui est fait pour que le jeu soit agréable. C'est quand même un comble. Fabrique le laser. Merde, j'ai pas garé mon truc au bon endroit aussi. Les touches de direction sont inversées, oui. Les touches de direction sont inversées, donc le contrôle du truc est infâme. Là, je ne sais pas pour quelle raison la minimap elle est partie pour cette mission. Donc en fait, j'avais pas de minimap. Donc imagine-toi la map, comment elle est grande. Bah, je naviguais à vue. Sans minimap. J'étais là, ok. Tout à l'heure, j'ai galéré des heures sur la même énigme que j'ai pas compris. Tout ça avec un niveau d'oxygène qu'il faut que tu gères. Et quand t'as plus d'oxygène, tu meurs. Voilà. Et si avec ça? Avant d'avoir galéré sur une énigme, j'ai galéré sur des objectifs en fait de quête. Genre ils te disent fais ça et tu vas sur ta map, ils te donnent vaguement une zone et tu dois trouver où est l'objectif. Bah j'ai tourné aussi pendant des heures parce que l'objectif c'était dans des grottes et genre la grotte elle était pas genre indiquée avec un gros panneau lumineux, tu vois. Il fallait chercher, fallait la trouver. Et tu crois que c'est plaisant? Non, c'est pas plaisant du tout. Fabrique le laser. Bon, déjà, je me concentre un peu. Fabrique le laser. Donc tu vas à l'établi. L'établi, c'est pas là. C'est là. En plus, c'était marqué. Voilà. Au boulot. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Amélioration pour Moon permet de nettoyer les traces de pétrole et autres pollutions. Ça, c'est du sérieux. Ouais. Tout à l'heure, on en a vu plein des trucs de pétrole là et on savait pas comment faire. J'ai envie d'aller nettoyer le pétrole maintenant.
l'étiquette est partie. Ça peut être n'importe quoi. Elle n'éclaire plus grand-chose, mais elle donne toujours une certaine atmosphère. Atmosphère. Allez, je ferai mieux d'aller au lit. On va encore faire des cauchemars, peut-être. Où es-tu? Pearl. Pearl. Ça, pas comme ça. Non, je voulais pas. Pearl. Qu'est-ce qui se passe? Calme, t'es pas en train de te noyer. Y a pas de fuite. Appelle Tim. Il saura quoi faire, lui. Merc? Mercury? Ça fait un peu flipper, là. Heureusement que t'es là. T'es là? Y a rien qui marche dans cette piole à la con. D'accord. D'accord, c'était quoi déjà? Pendant la formation, on a... Ah, les fusibles. Les problèmes de courant, c'est les fusibles. Ça doit encore être cette foutue tempête. Putain, d'un seul coup, ça... Ah, je suis pas bien. Tu vas au tableau électrique, tu fouilles, et tu ramènes cette boîte à la vie. Éteins. Comme tout le reste ici. Évidemment que c'est éteint. Tout est branché sur le secteur. Mais il faut que je sorte là ? On dirait qu'il est coupé du secteur. Premier boulot, le rebrancher.
Si je fais, c'était un petit salut histoire de se rappeler ce moment Among Us. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir, Nuswil. Des bisous à toi. Bonne nuit. Enfin. Oui, c'était des bons moments. Nom de Dieu. Quelle matinée. Les Among Us. Putain, ça fait. Bah, je pense que les dernières fois où j'ai joué à ce jeu, c'était sûrement avec vous. Bon ben voilà. Ah ouais quand même. Bah oui non, il me semble. Hein. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Des foreuses sont complètement aux fraises. Stan Moray appelle le QG. Réponds, Tim. Tim. Bonne nuit, Nuswil. Stan, mais comment tu... Et je te croyais hors ligne. Aucune importance. Pas le temps de bavasser. Qu'est-ce qui se passe? Cette tempête, c'est bien pire que ce qu'on croyait. Quelque chose s'est cassé. Pour faire court, il y a un incendie qui refuse de s'éteindre. Ah bon ? Tu vas bien ? Oui. Non, pas vraiment. Tu peux peut-être m'aider. Je t'écoute. C'est dur pour ce genre de cas. On envoie les drones, les forêts sont éteintes. Les vieux loups de mer n'ont pas à s'inquiéter de devoir évacuer. Mais la désactivation à distance des foreuses se fait depuis le centre de contrôle, qui est complètement inaccessible vu le risque de brûler vif dans un feu de pétrole. C'est officiellement officieux, mais j'ai besoin que tu ailles à la plateforme principale dans le secteur A et que tu éteignes tout manuellement pour couper l'envoi du pétrole brut vers la surface. Envoie les coordonnées. C'est fait. Je vais essayer d'amener les drones sur site, mais bon, ces trucs sont jamais vraiment fiables. Stan, on doit encore bouger. Attention à toi, l'ancien.